Ah, le vent, hey, les déconfinés des glingos. De retour ce mercredi 7 octobre 2020. C'est la nif, c'est chaque 7 du mois. Oui. Eh bien, on n'a jamais eu autant d'outils pour relayer de l'info et autant de personnes qui sont des professionnels, soi-disant, de l'info, qui la cachent, qui ne peuvent pas tout positionner. Des personnes en toute impunité qui sont des vendus, des collabos, le mot que vous voulez, et qui savent très bien qu'un jour ou l'autre, on va venir les chercher. Mais qui vont continuer jusqu'au bout, parce que c'est comme ça qu'ils fonctionnent, et que leur système fonctionne, leur métier, et que chacun mange à la gamelle, quoi. Conflit d'intérêts, autocensure, tu peux pas parler de tout, t'es financé par des milliardaires, faut que tu fermes ta bouche. Bah, ce qui se passe, c'est que les médias traditionnels s'écroulent, que la presse vend plus, qu'ils sont tous au goutte à goutte, qu'ils sont obligés d'être financés par des puissants, faut remettre de l'argent sur la table, et que sinon, parce que plus personne, de moins en moins en tout cas, pour certaines presses, plus personne ne les lit, pour certains médias, de moins en moins les écoutent, les regardent, et ce qui se passe, c'est que de plus en plus de personnes rejoignent eh bien, ce qu'ils peuvent retrouver sur Internet, et de plus en plus en mode décentralisé. Donc il n'y aura plus moyen de faire pression sur ceux qui vous apportent leur vérité, quelque chose qui est commun, justement, à beaucoup de monde. Une vérité commune, quelque chose d'important, des faits, du factuel, une réalité, quoi. Donc, tu sais très bien que tu es dans une impunité, tu sais très bien que tu vas t'écrouler, qu'on va venir te chercher, mais jusqu'au bout, tu vas jusqu'au bout, quoi. Tu essayes de presser comme un citron pour récupérer ce qui te reste à récupérer, mais essaie de faire tes valises ou d'aller te planquer quelque part, tu peux peut-être, mais tu pourras pas aller très loin puisque la terre est ronde et quand t'en auras vite fait le tour, si tu peux le faire, tu reviendras peut-être à ta case départ, tu feras une révolution, mais finalement t'iras pas très loin, quoi. Non, je sais pas ce qui va vous arriver à vous. On parle pas des résistants, hein. Qu'est-ce qui va vous arriver? Ah, vous allez peut-être prendre cher, hein. Ah, peut-être, ouais. Ah, mais parce que ce que vous avez fait, c'est inscrit noir sur blanc, hein. C'est pas la peine de dire qu'après vous l'avez pas fait. Ah bah oui, c'est enregistré, hein. Ça peut pas se détacher, hein. On peut pas supprimer quelque chose que l'on met sur Internet. Presque pas. En tout cas, tout ce qui est d'importance reste. Si tu le supprimes, d'autres l'ont déjà récupéré pour le ré-uploader, le réenvoyer. Enfin voilà, c'est triste pour toutes ces personnes-là. On va pas aller les plaindre, on va pas aller pleurer pour elles, hein. Chacun sait ce qu'il a à faire. Il faut de tout pour faire un monde. On est rempli de nigos, on est rempli de collabos, mais on fait avec, quoi. Enfin, on ne veut plus faire avec, et puis chacun trace sa route. Et puis voilà, allez. Et puis demain, bah, c'est une nouvelle route qui s'inscrit. Allez tous, bien, bien, bien.